Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre, Rachid Marsden. La perte d'influence d'Hollywood auprès de la population lors de la cérémonie des Golden Globes ce dimanche à Beverly Hills en Californie, les célébrités ont prêché la diversité et la tolérance, certains dénonçant, subtilement ou pas, le président élu Donald Trump. Hollywood a traditionnellement été pour l'Amérique une force importante pour la diffusion dans le monde entier de la culture des États-Unis, influençant les cœurs, les esprits et les valeurs. Ce rôle s'est érodé au fil du temps. Qu'est-il arrivé exactement à Hollywood Pendant la guerre froide, des films tels que Top Gun, Flashdance et Rocky ont promu les idéaux du travail acharné et du triomphe sur l'adversité. Le fait que les personnages principaux étaient des hommes, comme des acteurs tels que Tom Cruise et Sylvester Stallone, n'a pas empêché Hollywood de faire rêver les femmes à cette époque. Je n'arriverai pas à la fin d'un film comme Rocky en pensant wow, ⁇ Waouh, ça donne envie !⁇ Dommage que Rocky soit un homme et je suis une femme, donc je suppose que ça ne pourrait pas s'appliquer à moi. Hollywood a fait appel à des valeurs humaines, universelles, indépendamment de la race, du sexe ou de l'origine. C'est pourquoi c'est devenu sans doute un succès mondial historique d'exportation avec ce soft power. Mais deux choses malheureuses ont changé la nature d'Hollywood. Sur le plan domestique, Hollywood a pris conscience de sa force d'influence et s'est transformé en véhicule des valeurs gauchistes qui dominent de plus en plus le paysage politique américain. Après la guerre froide, il n'y avait plus d'adversaires à combattre. Donc, Hollywood a dessiné des lignes de combat dans la culture occidentale elle-même. C'est devenu un pion. Pour l'ingénierie sociale de gauche, les valeurs humaines universelles ont été remplacées par la promotion de la diversité sous ses formes les plus superficielles. Les stars se sont mises au service du parti démocrate qui défend ces divisions sociales. Nous avons vu cela lors de la récente élection présidentielle. Des dizaines de célébrités ont soutenu la candidate démocrate Hillary Clinton. Meryl Streep, qui a reçu au Golden Globes le prix Cecil B. DeMille pour sa carrière cinématographique, a quitté une fête avec le président sortant Barack Obama pour participer à la cérémonie où elle a critiqué Trump et a célébré la diversité dans son discours de remise de prix. Sur le plan international, Hollywood est passé de chef de file dans la diffusion des valeurs universelles à être un outil utile du pire de ce que la mondialisation représente, c'est-à-dire la collusion des élites de l'establishment au détriment des intérêts du peuple. L'industrie du divertissement est riche grâce à des allègements fiscaux auxquels les classes moyennes ne peuvent expérer, par exemple. Ainsi, en faisant des vidéos contre Trump au service des candidats de l'establishment comme Clinton ou en faveur des idées mondialistes comme le Forum économique mondial de Davos, les célébrités se sont alignées contre les intérêts de leur public qui trouve de plus en plus difficile d'accepter toute leur propagande. Et bien que beaucoup de gens pensent que la mondialisation a été contraire à leurs intérêts, les grands studios d'Hollywood, eux, en ont bénéficié, avec des coproductions et des accords de financement avec les Européens, les Chinois, les pays du Golfe Persique et d'autres intérêts contrôlés par des États qui imposent leurs exigences. Si vous êtes occidental, lorsque vous regardez un film d'Hollywood, il y a une bonne chance qu'il ne s'adresse pas à vous, mais plutôt à un public outre-Atlantique, censé d'apporter la majorité des bénéfices. Après avoir étudié les derniers films sortis, j'ai remarqué qu'au moins la moitié et parfois plus de deux tiers des recettes de box office viennent généralement des marchés d'outre-Atlantique. Meryl Streep a déclaré lors de la cérémonie des Golden Globes, et je cite, Hollywood survit grâce aux étrangers, et si nous nous, reformons, si nous, nous refermons, nous n'aurons rien à regarder, sauf le football et les arts martiaux qui ne sont pas des arts. Meryl Streep s'est planté. Le déclin d'Hollywood n'a rien à voir avec l'ouverture sur les autres. Il a tout à voir avec la promotion des valeurs de l'establishment globalisé. Avec moi aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, Jean Tardif est l'auteur du livre Les enjeux de la mondialisation culturelle aux éditions Le Bordelot. Il a été professeur d'anthropologie au Congo à l'école nationale de droit et d'administration et université de Lumumbashi. Et, à, et aussi à Montréal. Mmh. Il a ensuite occupé divers postes au sein de la diplomatie québécoise, notamment celui de délégué général du Québec à Bruxelles et de directeur général des politiques. Depuis 1999, il est délégué général de l'association Planète Agora qui veut susciter les débats publics sur les enjeux extra-nationaux. Bienvenue à l'émission Jean Tardif. Merci de m'accueillir. Alors, je trouve ça intéressant juste pour expliquer euh, à l'audience que on est tous les deux Canadiens. Ouais. Euh, alors, on a vécu la plupart de nos vies euh, juste à, à la frontière des États-Unis, où environ 90 de tous les Canadiens vivent. Aujourd'hui, on est en France tous les deux. Euh, on connaît bien les États-Unis. Euh, on est voilà, on, on se trouve aujourd'hui euh, au sein d'une chaîne russe en France. Alors c'est vraiment... <laughs> on parle de la mondialisation et euh, voilà, on fait l'exemple aussi. Alors ce que j'aimerais aborder euh, premièrement, c'est cette idée de, euh, de Hollywood. Et de ce que vous connaissez, de ce que moi je connais par rapport aux enjeux d'influence de culturelle de Hollywood et comment ça change aujourd'hui avec la mondialisation. Avant, il y avait moins de euh, il y avait moins de homogénéité culturelle dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que, que tout se mélange. Il n'y a plus de frontières. Que Hollywood euh, s'en profite un peu de ça. Mais est-ce qu'ils ont vraiment cédé leur rôle de leader culturel, d'influence, euh, d'acteur influentiel culturel Je ne crois pas. Je, je, évidemment, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, je ne mmh. suis pas un spécialiste des médias non plus. Mais culturellement. Vous Mais êtes effectivement, ce qui m'intéresse moi, c'est de regarder aujourd'hui l'influence des médias et le rôle des médias, le rôle maintenant euh, qu'on n'a jamais connu auparavant, le rôle des médias sur la scène mondiale. Et euh, non, Hollywood n'a pas renoncé à ça. Au contraire, Hollywood est le bras armé d'une politique américaine qui... Euh, a, qui euh, subissent depuis Roosevelt. Quand Roosevelt a appelé à américaniser le monde, et en disant on va propager les valeurs et les visions du monde américain, comme ça, ça évitera aux Européens de se refaire les deux guerres qu'ils ont faites au XXe siècle. Mm. Et depuis ce temps-là, ils ont fait de la promotion de leurs idées, de leurs valeurs, le troisième pilier de leur puissance, avec l'économie mm. et le, 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 le militaire. Et, et donc c'est une constante et Hollywood fait partie de ça d'ailleurs mais mais Hollywood a évolué parce que on est entré le monde vit une mutation à l'heure actuelle il y a la logique médiatique si vous voulez euh, jusqu'en 1989 elle était enfermée dans la logique du, de l'affrontement des deux blocs et c'est après 1989 que la, les, les médias ont acquis une capacité de s'étendre à l'échelle mondiale et c'est dans ce cadre là que Hollywood rencontre une compétition plus grande, mais Hollywood a toujours voulu et recherché ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les marchés étrangers. Parce que la, sa rentabilité vient de là, et en même temps, ça lui sert aussi, il sert, Hollywood pas, c'est pas seulement la diffusion qu'il faut regarder sur l'influence d'Hollywood, il faut regarder aussi à quel point le, il inspire le, les autres, si vous voulez, qui produisent sur le modèle d'Hollywood, les formats télévisuels, radiophoniques, la la, la, la chanson en, de langue anglaise, etc., ce sont des vecteurs d'influence mmh. dont on ne mesure pas euh, suffisamment la portée, à mon avis. Mmh. Oui, mais euh, par contre, on pourrait dire aujourd'hui que malgré le fait que Hollywood aimerait bien projeter les valeurs plutôt aujourd'hui de de l'establishment mondialiste parce que ça c'est vraiment les valeurs euh, grosso modo de l'establishment américain aussi euh, qui prédate Donald Trump on, on va voir ce qui <laughs> si ça va durer euh, mais euh, mais quand même est-ce que est-ce qu'ils ont vraiment euh, est-ce qu'ils peuvent vraiment promouvoir ces valeurs dans le monde aujourd'hui vous avez évoqué le fait qu'ils qui s'affrontent à des, des défis culturels parce que tout le monde euh, ils ont accès à des occultures, mais les occultures ne veulent pas forcément accepter ce qu'ils vendent aujourd'hui pourquoi est-ce que avant quand ils promouvaient des valeurs disons américaines des valeurs euh, de, 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 du capitalisme euh, de la société de la culture américaine ça vendait beaucoup mieux qu'aujourd'hui aujourd'hui on voit que euh, c'est c'est pas autant accepté par exemple hollywood, moi, je distingue hollywood, si vous voulez, euh, euh, comme acteur de l'industrie du divertissement, mmh. que je distingue de la culture. Euh, le divertissement, pour moi, ce n'est pas la culture. ce sont des activités culturelles mmh. et commerciales. et hollywood répond à ce centre, dans ce sens-là à la logique du cercle que j'appelle le, le cercle, le, le triangle, euh, média, politique, économie. hollywood, veut produire ce qui se vend donc euh, ce n'est pas forcément de l'idéologie je dis pas qu'il n'y a pas du tout d'idéologie derrière mais il veut produire ce qui se vend à travers le monde et pour ça vous savez comment ils fonctionnent ils font l'arithmétique La, d'hollywood elle, elle, elle semble simple mm -hmm. mais pour 100 sujets qui leur sont proposés il y en a 6 qui sont réalisés et sur 6 qui sont réalisés un seul fait le succès. Ce qui est assez intéressant par rapport à ça, je me demande si la technologie joue un rôle à, à, afin de pouvoir influencer ça. Parce qu'avant, je parle lors des années 50, 60, 70... Il y avait plus de choix. Il y avait que Hollywood qui existait. Alors, il fallait que les autres pays prennent Hollywood et les produits de Hollywood. Aujourd'hui, il y a plein de choix. Il y a de, plusieurs pays qui ont leur propre système de culturel pour pouvoir monter euh, des productions quelconques. Et aussi le web qui est vraiment une compétition mondiale pour, euh, pour l'attention des auditeurs et, et des, euh, des spectateurs. Alors, je me demande si c'est uniquement la technologie et qui est vraiment, on pourrait associer au mondialisme aussi, qui fait que Hollywood n'est pas aussi influent qu'elle l'était avant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, euh, il y a de la concurrence. Vous avez Bollywood, par exemple, mais Bollywood, ouais, ça qui est très populaire pas. en Afrique, <laughs> ça marche pas, si vous voulez. Oui. bon euh, Vous avez la Chine, qui aujourd'hui essaie aussi de jouer un rôle plus grand. Il parle même de désaméricaniser le monde. Mmh. Donc, il y a des objectifs-là qui sont clairs. Mais euh, je crois surtout qu'Hollywood... A, 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 a toujours une influence importante. Regardez par exemple la part des sirènes américaines en Europe. Alors que mmh. tout le combat sur la diversité culturelle prétendait garder les, les politiques euh, nationales, les, les productions nationales, regarder sur, tout, sur toutes les antennes, sur tous les écrans européens, la part des, des productions américaines est dominante. Mmh. Jusqu'à 80 dans certains pays du Nord. Et pourquoi est-ce que vous croyez que, malgré le fait qu'il y a beaucoup de dépenses euh, dans le domaine du cinéma, des productions ici en France, que ça ne réussit pas à percer ailleurs, par exemple il euh, y a un produit, il y a enfin j'ai pas le site mais je le cite dans mon livre un, 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 un français qui disait euh, le, on produit de très bons films on sait pas les vendre donc, premièrement deuxièmement vous avez des barrières protectionnistes pour les américains aussi euh, regardez euh, sur les écrans américains enfin eux occupent plus que le, du tiers, les deux tiers des écrans étrangers les, plus que en moyenne mais sur les écrans américains qui sont réputés le média le plus crédible et le plus répandu aux États-Unis, il n'y a pas 10% de production étrangère. Et l'un des arguments, c'est de dire que ben, notre public n'est pas habitué à, à, à regarder des choses qui ne sont pas publiées d'abord en anglais. Mm -hmm. Si on disait ça pour, pour ce qui n'est pas en anglais, comme moi, pour, comme, comme Québécois, on ne on regarderait jamais de traduction. Mm -hmm. Donc, ce sont des arguments protectionnistes aussi. Mais la raison plus fondamentale pour moi, c'est qu'on est. Qu devant ce que j'appelle l'empire de la séduction. C'est quoi exactement L'empire de la séduction, c'est-à-dire que ça, ça fait de chacun de nous des complices actifs de sa propre servitude volontaire. <laughs> Personne ne vous oblige à, à acheter du McDo. Personne ne vous oblige à regarder les films américains. Personne ne vous oblige à écouter les chansons américaines. Et pourtant, vous les écoutez partout en Roumanie, sur toutes les radios, dans les taxis, etc., à travers le monde. Pourquoi et il y a un formatage qui s'opère à travers ça. Vous devenez habitué à cette musique-là et vous aimez moins les autres mmh. musiques. Donc, vous savez, il y a un conditionnement important. Et l'empire de la séduction, c'est-à-dire qu'on croit que c'est devenu universel parce qu'on le voit partout. Mais c'est pas vrai. Et mmh. là où je pense qu'on se trouve dans une mutation, on est entré dans ce que j'appelle la mondialisation culturelle. Mmh. La mondialisation culturelle, plusieurs disent, plusieurs pensent que ça conduit à l'américanisation du monde, ou à l'hégémonie culturelle, ou à l'impérialisme culturel. Moi, je ne crois pas. Alors, ça conduit Pour, à quoi? Ça conduit, la mondialisation culturelle, ça ne crée pas une culture mondiale. Ce que vous entendez, même si vous chantez des chanteurs américaines, mmh. moi je ne deviens pas américain pour ça, et je ne deviendrai pas américain, <laughs> ça c'est sûr. Mmh. Et je pense que c'est vrai un peu partout. Les gens réagissent avec leur, leur, leur culture d'origine mmh. par rapport à ça. Donc il peut y avoir une uniformisation superficielle mais pas réelle. Mais, ça c'est on... assez intéressant et c'est une nuance Très important, parce que il y a des gens, moi inclus, je suis coupable de ça, qui croient que le soft power, c'est-à-dire l'influence culturelle, si ça rentre dans une autre sphère, ça va, ça va déformer ce qui existe dans cette autre sphère et ça va pouvoir gagner, comme on dit, les esprits et les cœurs. Alors, qu'est-ce qui fait que, euh, une initiative quelconque culturelle pourrait avoir un impact et un autre non? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la culture. Parce qu'on parle beaucoup de culturel, mais on ne définit jamais. La culture, il mmh. y a plein de définitions. Il y a la culture du blé, la culture du sol. Y a la, bon, mais la culture, dans son sens anthropologique, qui est mon domaine, mmh. c'est ce qui constitue une société. Qu'est-ce qui distingue les Britanniques ou les Belges, les Français C'est pas seulement le territoire, c'est pas seulement le pays, c'est la culture. C'est pas seulement là et la langue est un facteur culturel et les facteurs religieux sont des facteurs culturels et donc la culture c'est ce qui constitue un groupe social qui le distingue des autres et qui lui permet d'opérer avec les autres c'est ça qui donne la cohésion or aujourd'hui la culture euh, et la culture c'est la matrice si vous voulez dans laquelle un individu construit son identité aujourd'hui on est sorti de ce monde-là. La mondialisation culturelle, ça met en présence intensive et en concurrence des visions du monde, des valeurs dont les différences deviennent immédiatement sensibles mmh. et qui prennent déjà une importance stratégique. Vous voyez, si on savait que les Chinois existaient, Louis XIV avait invité un, un Indien à, à sa cour, bon, c'était un, un objet de divertissement. Maintenant, quand le nombre d'immigrants est tel, quand les différences deviennent, l'étranger devient chez lui, chez moi, mm -hmm. là, ça prend une autre dimension politique. Et on est face à cet affrontement, si vous voulez, de la mise en concurrence des cultures. Et c'est dans ce cadre-là. Qu Il faut comprendre la stratégie américaine dans la bataille de, de, pour la conquête des esprits et des cœurs. Mm -hmm. Parce que la puissance aujourd'hui tient plus seulement à la force militaire. L'espace médiatique est devenu un champ stratégique. Mm -hmm. Là où se, où se passe aujourd'hui la bataille pour la, la conquête Mais des sûr. esprits et des cœurs. Mais ça se fait comment? Si la culture elle-même n'est pas suffisante, comment gagner les esprits et les cœurs euh, avec le, le soft power culturel? Il faut rentrer par quel vecteur? Ben, on entre par, par tout ce qui se vend. On, 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 la chanson, mm -hmm. c'est un vecteur. Les, les productions d'Hollywood qui, qui font de vous, encore une fois, qui vous séduisent, euh, même si. Moi, je suis, ouais, je, je suis. Je suis pas fan du cinéma, pour tout mm -hmm. vous dire. Mais enfin. En règle générale, ça marche. Mais de moins en moins. Euh, sur le plan domestique occidental, mais à l'étranger, comme j'avais dit en chronique, on peut voir que les chiffres du box-office, c'est 50 à deux tiers étrangers maintenant. Ce n'était pas comme ça avant. Alors, je ne sais pas si c'est un facteur du fait que c'est moins intéressant pour les ça gens. Ça a toujours à... été plus que 40 des recettes d'Hollywood. Mmh. Et dans, ce qui m'a étonné, moi, dans les discussions sur la diversité culturelle, c'est qu'on n'a jamais utilisé cet argument-là en disant eux, l'Amérique se bat pour une chose, c'est l'accès au marché. Mmh. Et l'accès, la, la puissance aujourd'hui, ça ne tient pas à la conquête d'un territoire, ça tient à la capacité de, de s'y installer par la séduction mmh. et de conquérir les cœurs. Alors, est-ce que c'est susceptible de la subversion, alors? Parce que maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a des financements étrangers euh, des productions Hollywood, surtout par la Chine, parce que c'est eux qui ont de l'argent maintenant pour faire ça. Euh, je peux citer l'exemple, par exemple, d'Alibaba euh, et oui. de Steven Spielberg et Amble Entertainment qui ont fait un accord ensemble pour pouvoir produire des films pour les deux marchés. Est-ce que c'est un moyen d'influencer Hollywood Est-ce que la Chine va pouvoir avoir une influence Parce que ces accords-là, euh, ce n'est pas sans conditions, par contre. Il y a des conditions sur le contenu, sur la location, il y a, on ne peut pas faire des, des compromis. choses qui... Oui, exactement. Il y a des compromis. Mais enfin, disons que ça, ça ob obéit à une logique d'abord qui n'est pas culturelle. Ça obéit à la logique du capitalisme mm -hmm. culturel. C'est-à-dire, on fait monter le coût des productions pour éliminer les concurrents. On fait monter le coût des productions et ça, donc ça élimine les concurrents. Deuxièmement, pour les Chinois, on achète de l'expertise. On, oui. mm -hmm. on achète de l'expertise mm -hmm. comme on achète Volvo. Comme on achète d'autres choses, si vous voulez, pour acheter de l'expertise et la mm -hmm. développer. Comme on oblige Airbus à construire en Chine pour acquérir l'expertise, etc. Bon, c'est un, un phénomène traditionnel, donc, donc ça s'applique à Hollywood aussi. Mais moi, je crois pas que ça aille très loin parce que je crois pas que les États-Unis accepterait longtemps qui y chez eux, 25 ou 30 de la, de la production sur leurs écrans qui viennent de l'étranger. <laughs> Vous croyez que, ouais, mais enfin. Euh, ça mais il a touche. pas 10 Et hein. là, ça touche à quelque chose d'autre. Ça touche à, au phénomène de Donald Trump parce que lui, il est en train de repatrier plein d'activités industrielles de l'étranger. Peut-être il va aussi toucher à Hollywood là-dessus aussi. Mais, euh, mais cette idée du, du mouvement antimondialisme qui, euh, qui est en train de, de se voir en tant que tendance aujourd'hui. Euh, vous croyez que c'est grâce à, à une tendance culturelle mondialiste qui fait qu'on voit maintenant le retour du bâton vous savez la culture encore une fois, c'est une matrice vivante et donc tout, tout ce que vous faites une ça a obéit à la logique de l'interaction. Action interaction mmh. et c'est vrai dans tous les domaines et notamment dans le domaine culturel et c'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui la montée de, de de contestations qui prennent différentes formes et c'est pas pour rien et là on pourrait s'interroger longtemps sur la naïveté des approches multiculturelles canadiennes qui pensent <laughs> qu'il faut être gentil et bon avec tout le monde et ah bon je sais bah, pas <laughs> ah bah, 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 bah non. <laughs> mais alors l'une un, des conséquences de la mondialisation culturelle mmh. c'est que les sociétés perdent leur capacité de socialisation mmh. Et en perdant leur capacité de socialisation, donc de cohésion, on, on se retrouve devant quoi? On se retrouve devant l'inconnu et devant ce que j'appelle l'insécurité culturelle. Le, la sécurité, c'est la principale préoccupation de tout être vivant, de tout être humain. Et c'est pas seulement la sécurité physique. C'est aussi la sécurité culturelle, c'est-à-dire la capacité d'être entre soi, à quelque part. Parce que la culture, c'est ce qui constitue un groupe. Et quand on n'est plus en, entre soi, la politique c'est l'organisation du vivre et de l'agir ensemble. On n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. La, la mondialisation entraîne une crise majeure du politique qui est obéi maintenant à la logique médiatique parce que la politique les politiques nationales aujourd'hui n'ont plus sont condamnées à la réaction face à des phénomènes transfrontaliers sur lesquels ils n'ont pas prise. Donc ils se réfugient pour masquer leur impuissance partout y compris avec Obama et probablement avec Trump aussi, parce qu'il ne maîtrise pas le monde. La mondialisation est un phénomène qui, que personne ne contrôle et qui obéit à plusieurs logiques, si vous voulez, qui s'entrecroisent. Et que, donc personne ne peut l'arrêter ou la modifier. Donc la, la mondialisation, ça peut avoir des reculs, C'est pas un phénomène prédéterminé, mais en même temps, personne ne peut l'arrêter. Et l'anti-mondialisation... Euh, c'est des réactions, si vous voulez. Mmh. Un, il peut y avoir différents types de réactions. Il peut y avoir des réactions défensives derrière l'état-nation. Il peut y avoir des, des réactions stratégiques mmh. vers la conquête euh, du, du monde. Et on est, on est en face de ça aujourd'hui. Mais le gros problème que vous vous soulevez avec Hollywood, c'est que... Et avec l'image, c'est que c'est au cœur de la bataille. Et l'espace médiatique est devenu le nouveau champ stratégique. Et là, ce n'est pas uniquement une affaire d'idéologie. C'est une affaire vraiment d'affrontement et d'évolution, si vous voulez. Parce que la, ce qui est brillant chez Hollywood, sur, dans, dans, le, dans les industries américaines, c'est leur capacité à se renouveler. C'est la capacité à composer avec, y compris, ils disparaissent, ils renaissent. Alors, c'est ça la force. La, le capitalisme qui est excessif aujourd'hui qui est obéit à la pure logique spéculative déconnectée de l'économie a un mérite qui fait sa supériorité sur la politique c'est qu'il est obligé résultat. mmh. des résultats et l'obligation des résultats le condamne, si vous voulez à être efficace. Le politique n'est pas condamné à ça. Mais je me demande si l'efficacité, c'est la même chose que la, la sécurité, ou est-ce que ça va à l'encontre de la sécurité? Parce que si l'efficacité veut qu'on fasse beaucoup de compromis afin de pouvoir gagner de l'argent, on invite tout le monde à la table, euh, du point de vue économique, ça c'est bien, mais du point de vue culturel, est-ce que ça peut tenir? Je crois que l'insécurité culturelle est un phénomène dont on mesure pas la portée aujourd'hui. Vous regardez en France, vous voyez les questions identitaires, on gère la réaction, on ne comprend pas que l'identité d'une personne, c'est pas l'identité d'un objet. Ça se forme dans une matrice qui est la culture. Et il y a des, les, les matrices culturelles sont différentes. La matrice culturelle américaine ou islamique, c'est pas la même. Ah, et penser sûr. que ça peut aller ensemble <laughs> et que ça peut se fondre comme ça, ça, c'est une vue de l'esprit. Donc, on se retrouve dans un monde de concurrence très forte et où la culture, où les enjeux culturels jouent un rôle clé dans l'équivage et dans les... Euh, le... Dans les affrontements, les rivalités. Jean Tardif, l'auteur euh, des enjeux de la mondialisation culturelle, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur mondial.com ou spoutniknews.com. Un proverbe russe dit celui qui sait beaucoup dort peu. Alors en 2017, fidèle à ses racines, Spoutnik continuera de sillonner l'espace jour et nuit pour vous livrer en direct les infos les plus rayonnantes et insolites. Bonne année à tous sur les ondes de Spoutnik.